Bonjour à tous. C'est un sujet délicat que nous allons aborder dans cette émission. Depuis un an maintenant, il est sur toutes les ondes. Il a détrôné la guerre en Ukraine sur les plateaux de télévision, s'invite dans les débats électoraux en France comme aux États-Unis et est l'objet de toutes les analyses des commentateurs politiques ou militaires. Pourtant, ce n'est pas un nouveau sujet. Avatar des deux guerres mondiales, il puise aux sources les plus anciennes de l'Antiquité. C'est le conflit israélo-palestinien que nous allons tenter de vous expliquer aujourd'hui avec notre invité Jean-Claude Rollinat. Jean-Claude Rollinat, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, est-ce que c'est utile encore de vous présenter à nos téléspectateurs qui vous connaissent bien, hein? Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, des biographies, Salazar, Perron, Mannerheim, ou des ouvrages plus originaux comme le Dictionnaire des États éphémères ou disparus, ou encore Ces drôles d'États grands comme un mouchoir de poche et Un forêt jouissant, je vous avais invité d'ailleurs à ce sujet, comme pour les deux autres d'ailleurs, un guide touristique et géopolitique des pays imaginaires de la bande dessinée. Alors tous ces livres ont été publiés chez La Miranda, chez Du Alpha, tout comme votre dernier ouvrage, Israël-Palestine, la mort aux trousses, paru donc chez Du Alpha, dans lequel vous retracez l'histoire de ce conflit interminable qui agite la région finalement depuis presque 100 ans. On peut le dire. Mais même on peut remonter à l'Antiquité, ce que je disais en introduction, car l'histoire y prend sa source. Hein. Le peuple juif, dès son retour de terre promise, après l'Exode, alors l'Exode qui est plutôt un texte théologique sur lequel on n'a aucune source historique, mais une fois le peuple juif sur la terre promise, n'a cessé finalement de se battre contre les populations locales. Et l'un des exemples le plus emblématique est celui de David, futur roi des Juifs, contre Goliath, ces derniers étant un guerrier philistin, et les Philistins dont le foyer est Gaza. Alors, je voudrais juste que vous nous fassiez un petit rappel historique de ce que représente la Palestine au sortir de la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman. Alors, vous l'avez dit en introduction, l'histoire de la Palestine et d'Israël remonte à la plus haute antiquité. Cette terre, si vous voulez, c'est une histoire où il y a un mélange de faits réels et de faits bibliques. On trouve les Philistins, les Araméens, les Moabites, les Nabatéens, les Édomites, etc., etc. Bon, donc, si vous voulez, il y a tout un mélange de conflits, un mélange de populations avant qu'il y ait une fixation réelle d'une ethnie par rapport à d'autres sur un territoire bien donné. Et alors, il y aura la fondation par un grand prêtre qui s'appelait Alexandre Jeannet, pardon, qui était roi, enfin qui s'est proclamé roi et grand prêtre d'Israël, et il avait établi sa souveraineté entre la mer Méditerranée et le Jourdain. Ça pour Madame Mathilde Panot, hein, pour lui situer exactement où se trouve la Palestine historique. Et alors, ça se situait, disons, entre un siècle avant Jésus-Christ à peu près. Et alors, après, évidemment, nous avons l'occupation romaine du royaume d'Hérode, hein, le roi Hérode, et dont le règne va de moins 37 avant Jésus-Christ à plus 4 après Jésus-Christ. Et là, si vous voulez, ce royaume protégé va complètement être romanisé, si je puis dire, et l'entité juive va disparaître en tant que telle. Alors le peuple juif ne disparaît pas, mais il est opprimé par l'occupant romain. Et en 135 après Jésus-Christ, il y a une révolte qui est conduite par un nommé Bar Kochba, et les derniers résistants juifs vont se concentrer sur la plateforme de Masada, hein, que l'on peut voir dans le désert de Judée. Maintenant, avant, on faisait l'ascension à pied. Maintenant, il y a un téléphérique qui nous y emmène. Et c'est d'ailleurs là où les jeunes promotions d'officiers de l'armée israélienne viennent prêter serment en disant Masada, plus jamais ça. Pourquoi ? Bah parce que, effectivement, l'armée romaine a écrasé complètement cette rébellion. Et c'est donc la destruction, si vous voulez, réellement, là, et la dispersion du peuple juif.
Alors après, nous avons, évidemment, après les Romains, il y a les Byzantins. Après les Byzantins, c'est la conquête arabe. Et puis après la conquête arabe, nous allons avoir une parenthèse au XIIe siècle, pendant presque 200 ans, de royaume chrétien, les croisés, les fameuses croisades. En 1099, prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, fondation du royaume latin de Jérusalem, le comté d'Édesse, le comté de Tripoli, petit royaume chrétien, et qui ont été culbutés par, bien entendu, les Arabes. Et puis les Ottomans vont succéder aux Arabes, et quand le Congrès juif mondial va se réunir à Bâle en 1897 à l'instigation de Théodore Herzl, là nous avons le sultan, nous avons l'Empire ottoman qui est souverain sur cette partie du Moyen-Orient. – Donc la Première Guerre mondiale va changer la donne, puisque l'Empire ottoman va s'effondrer et va être disloqué. – Alors, l'Empire ottoman était, comme vous le savez, allié aux empires centraux, à savoir l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois, et ces empires vont s'effondrer sous le coup des alliés, et évidemment, là, on est peut-être passé un peu vite sur le congrès de Bâle de 1897. – On y reviendra, on va très bien. Au congrès. – Alors là, donc, si vous voulez, chronologiquement, les Anglais, le général Allenby, en 1917, s'empare des principales villes du futur État d'Israël, qui n'existe pas encore, et entre à Jérusalem. Et donc, les Anglais vont imposer la loi britannique. Et en 1917, la même année, Lord Balfour, ministre anglais, prend en considération les revendications juives et dans sa proclamation, dans la proclamation du cabinet britannique, on reconnaît le droit au peuple juif d'établir un foyer national en Palestine. Évidemment, à partir de ça, nous allons avoir les germes du futur conflit israélo-arabe sont là. Parce que effectivement, si le peuple juif est fondé légitimement à s'installer sur la terre de ses ancêtres, le problème c'est qu'il y avait aussi de présent un autre peuple, un peuple arabe. Bon. On va y venir. Donc finalement, cette déclaration Balfour, c'est la concrétisation, enfin sur le papier, des aspirations sionistes. Bien sûr. Alors, je vous ai dit, promis qu'on allait revenir au congrès de Bâle, enfin au congrès sioniste. Donc une brève histoire du sionisme au 19e siècle. Pendant de nombreuses années, il y avait cette exhortation, n'est-ce pas, dans les communautés juives, l'an prochain à Jérusalem. Parce que la dispersion du peuple juif, ce qui est vraiment extraordinaire chez ce peuple-là, c'est qu'il avait quand même conservé son identité religieuse, bien qu'il ait été dispersé. Ah bon, dispersé en Europe occidentale et en Europe orientale. Bon, notamment, et alors il subissait, évidemment, on le sait, les pogroms, plus particulièrement en Russie et dans les pays de l'Est, des persécutions. Et alors, évidemment, bien plus tard, on va atteindre le summum avec l'Holocauste, bien sûr, qui va faire indirectement, qui va favoriser le peuplement d'Israël avec les survivants de la Shoah. Mais on va un peu vite. Revenons en 1897. En 1897, au congrès de Bâle, à l'initiative de Théodore Herzl, une soixantaine de délégations représentant à peu près 200 personnes se réunissent à Bâle pour concrétiser un rêve, c'est le retour du peuple juif sur la terre des pères, sur la terre des ancêtres. C'est à l'initiative de Théodore Herzl. Herzl était un journaliste autrichien. Et son rêve, évidemment, il ne le verra pas se réaliser, mais il va en voir les prémices. Et il y a une autre personnalité juive importante, Weizmann, un chimiste qui vivait à Manchester, qui va prendre un petit peu le relais, et ce sera d'ailleurs le futur premier président de l'État d'Israël. Et cet homme-là aussi va être le géniteur, hein, si je peux utiliser ce terme-là, avec Herzl, de l'idée sioniste, idée sioniste, Sion, la terre de Sion, de revenir, de bâtir une patrie où les Juifs seraient en sûreté, parce que effectivement il y avait l'antisémitisme qui régnait d'une façon féroce à l'Est, d'une façon beaucoup plus littéraire et théorique à l'Ouest. Bon, on ne peut pas nier qu'en France, il y a eu effectivement des écrits antisémites, on ne va pas citer tous les auteurs, mais c'est vrai qu'il y avait cette espèce d'antisémitisme latent.
qui reposait sur probablement au départ la crucifixion. Hein, ça, c'est voilà, on remonte là. Et après, bon, l'histoire du juif, si vous voulez, qui veut s'accaparer les biens des autres, le juif financier, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est l'idée, l'image négative qui se répandait en Occident. Et dans les pays de l'Est, là, c'était carrément le knout. Hein, bon, donc, si vous voulez, tout converge, tout se conjugue, tout fait en sorte que effectivement on ait les premières installations de peuple juif en Palestine. Mmh. Alors ça se situe fin du 19e siècle et donc début du 20e. Ce sont principalement des gens qui viennent des pays de l'Est. Oui, au départ, oui. Oui, au départ, c'est beaucoup des gens qui viennent des pays de l'Est, de Pologne et de Russie. Mmh. Et ces gens-là, évidemment, sont des gens plutôt pauvres. Sont des migrants à qui, notamment la banque Rothschild et les puissances d'argent juives vont financer l'installation de ces premiers établissements. Or, il faut lever une hypothèque tout de suite, il n'y a pas eu de terres volées aux Arabes, ces terres ont été achetées. – Dans les années… Dans les années, à la charnière des années, à la charnière des deux siècles, 19e, 20e. – Ça représente une population de combien de migrants à peu près ?– Alors là, c'est, si vous voulez, quand la… Dans les années 20, la population… Alors, il y a toujours eu une permanence juive en Palestine. – Oui, il y avait toujours une population. Les chiffres sont difficilement estimables. On va dire entre 60 000 et 80 000 juifs qui auraient vécu, qui auraient traversé les âges. – Tout ce monde-là vivait en bonne intelligence. – Oui, plus ou moins en bonne intelligence avec les Arabes. À partir du moment où la communauté arabe, asticotée par certains évidemment, va prendre conscience que ces nouveaux migrants vont peut-être constituer une entité politique. Mmh. Là, ça va commencer, passez-moi l'expression, à friter. Mmh. Mais le Congrès juif mondial avait prévu cette hypothèse de créer, d'aller au-delà du simple foyer national, et les Anglais à qui la Société des Nations a confié en 1921 le mandat sur la Palestine. Donc en 21, il y a aussi un congrès sioniste qui est important, qui matérialise. Alors oui, là, qui matérialise, qui concrétise. C'est-à-dire, oui. L'agence. Alors, il y a une organisation qui a été mise en place à la suite du congrès de Bâle. Theodore Herzl devient le président du mouvement sioniste mondial. Mm-hmm. Et ce mouvement sioniste mondial va accoucher de l'agence juive. L'agence juive qui va, évidemment, récolter les fonds et va organiser cette émigration. Des candidats au retour sur la terre promise. Mmh. Et l'agence juive, si vous voulez, va être une sorte d'embryon de gouvernement, puisque la Palestine juive sous mandat britannique est un proto-État. On va dire, est un proto-État. Donc, un État qui ne s'avoue pas, qui n'avoue pas sa nature. Donc là, ce sont des premières implantations, donc on achète des terres. On achète des terres et les colons s'installent, et ça, alors là, c'est les kibbutz. On crée des villes également. On crée des villes, on crée Tel Aviv notamment. Hein, qui sort de terre à ce moment-là. Sort de terre, absolument, notamment beaucoup d'Allemands qui s'installent au tout début sur Tel Aviv. Et il y a des kibbutz qui sont, alors de part et d'autre, alors évidemment, dans la future Cisjordanie, il y a aussi quelques kibbutz qui sont là, mais ils seront liquidés, si je puis dire, en 1948. Ces premiers kibbutz, le kibbutz, c'est pour nos téléspectateurs, c'est une ferme collective, c'est l'équivalent du kolkhoz. Kibbutz, oui. Alors, c'est quand même plus généreux que le kolkhoz. C'est collectif, c'est-à-dire que rien n'appartient à l'individu. Mais c'est la collectivité qui est propriétaire des terres, des immeubles et du matériel. Il y a aussi des villages collectifs. Villages, c'est les moches. Oui, c'est des villages coopératifs. C'est différent. Bon. Mais là, dans le kibbutz, c'est une intégration totale. C'est-à-dire que les enfants sont pris au berceau le matin, ils conduisent à la crèche. Chacun met la main à la pâte en fonction de ses capacités. S'il y a des intellectuels qui travaillent à l'extérieur, leur salaire sera versé à la collectivité du kibbutz. Kibbutz est dirigé par un bureau élu. C'est principalement agricole. Au départ, c'est principalement agricole, mais certains deviendront, avec le temps, auront des petites industries, bien entendu. Et les repas sont pris en commun. Et le travail est distribué en fonction des capacités physiques et intellectuelles de chacun. Mais au départ, c'est l'agriculture. Or, si vous voulez, les Juifs, au départ, n'étaient ni paysans ni soldats. Mmh. Or, c'est le fait d'être des colons
comme les pieds noirs en Algérie, comme les Afrikaners en Afrique du Sud ou les Rhodes en Rhodésie. Bon, tous ces gens-là ont l'esprit pionnier. Les pionniers d'Amérique. Hein, mm-hmm. On prend les chariots et on part vers l'ouest sur des terres vierges. En revanche, ils ont à la main plutôt le capital de Karl Marx que la Torah. On n'est pas dans le religieux. Vous avez tout à fait raison. Les kibboutz religieux apparaîtront bien plus tard. À l'origine, ce sont des laïcs, on peut dire ça. Mm-hmm. Donc c'est la mystique sioniste plus que la mystique biblique. Mais attention, il y en a aussi qui... On est plus, politiquement parlant, ils sont marqués à gauche. Vraiment à gauche. On est vraiment à gauche. Oui. Les premiers sont vraiment à gauche, collectivistes, etc. Et d'ailleurs, parce que cette expérience des kibboutz, elle vient d'où? Elle vient des quand je parlais tout de Holocauste. Ah ben, vous n'avez pas tort. Oui. Mais est-ce que c'est dans la tradition également hébraïque ce Holocauste? Alors là, non. Je ne pense pas que ce soit dans la tradition hébraïque. Je pense que c'est la nécessité qui fait loi, parce que voilà des gens qui sont projetés dans un milieu a priori qu'ils ne connaissent pas, projetés au milieu de populations quand même qui sont différentes, qui au départ les regardent non pas avec bienveillance, mais avec une certaine neutralité. Et là... Donc il y a une volonté de se regrouper. La volonté, c'est très vite les Arabes... – Et puis l'idéologie socialiste qui fait que... – Alors l'idéologie socialiste, mais très vite les Arabes vont se rendre compte que leurs voisins sont appelés à se renforcer et à s'organiser en une structure étatique. Bon, la Palestine mandataire comprenait la Jordanie. En 1923, le mandat anglais, si vous voulez, éclate en deux entités politiques. À l'Est, on crée la Transjordanie, le royaume de Transjordanie, qui va être échoué entre les mains d'un émir. Et à l'Ouest, ça va être le mandat sur la Palestine. Mmh. Une Palestine judéo-arabe, avec un gouverneur, un haut-commissaire britannique, et, excusez du peu, presque 100 000 soldats et fonctionnaires britanniques pour une population arabe estimée à 1 200 000 personnes, et une population juive, dans les années 20, années 30, 250 000, 300 000 personnes. C'est dire l'importance de la présence britannique. À titre de comparaison, il n'y a jamais eu plus de 200 000 Britanniques dans l'Empire des Indes pour contrôler 300 à 400 millions de personnes. Là, pour contrôler moins de 2 millions d'habitants, on a 100 000 fonctionnaires et soldats anglais. Bon, donc on sent déjà que la puissance britannique voyait avec difficulté l'avenir de ce territoire. Mmh. Et ça va aller très vite. Parce que là, la Seconde Guerre mondiale arrive. Oui. Donc, je rappelle, le mandat britannique, il y a un nouvel afflux de population qui vient. Déjà, entre les deux guerres, il y a déjà des frictions importantes. Il y a déjà des frictions. Entre les Arabes et les Juifs. Et là, ce sont les Britanniques qui s'interposent entre les deux. Les Britanniques s'interposent, et ils s'interposent tellement qu'ils vont se rendre compte que les Juifs se renforcent trop. Et comme l'Empire britannique veut ménager les puissances arabes, ils vont restreindre considérablement l'émigration juive. Ce qui ne va pas plaire du tout aux organisations juives, qui vont constituer des organisations terroristes. Vous avez, par exemple, l'Irgun. L'Irgun qui se constitue avant la Seconde Guerre mondiale. C'est constitué avant la Seconde Guerre mondiale, et au sein de l'Irgun, qui était déjà une organisation terroriste, va naître le groupe Stern, du nom de son créateur, qui sera encore plus extrémiste et plus violent, à un tel point que ces groupes terroristes s'en prennent directement aux soldats britanniques, et que la répression britannique est féroce, puisqu'on pend quand même pas mal de juifs. Avant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on va arriver, si vous voulez, à la Seconde Guerre mondiale. Certains juifs vont proposer leur service aux Anglais contre les Allemands, parce que, évidemment, ça n'a pas échappé aux Israélites que les nazis persécutaient d'une façon féroce leurs compatriotes, et donc ils vont offrir leur service à l'armée britannique. Beaucoup de juifs vont s'engager dans l'armée anglaise, en échange évidemment d'une promesse future de reconnaître l'existence d'un État spécifiquement juif sur la Palestine. Alors les événements vont se précipiter. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et quand on découvre l'horreur des camps de la mort, il est évident que les survivants juifs vont massivement émigrer en Palestine. – On sait à peu près combien arrivent avant 48 ?–
avant 48, en 48, il y a 600 000 juifs. Mmh. 600 000 Israélites vivent face à 1 200 000 à peu près arabes en Palestine. Et donc, là, évidemment, y a, vous savez, le rôle qu'a joué le grand moufti de Jérusalem, qui n'a pas hésité à aller rendre visite à Hitler, mm-hmm. et le grand moufti de Jérusalem, évidemment, a actionné beaucoup de mouvements arabes contre la présence juive. Et donc, il y a évidemment un frittage, si vous me passez l'expression, entre ces deux communautés. Et comment faire cohabiter deux peuples aussi distincts, pourtant ce sont des sémites évidemment, historiquement, théoriquement ce sont les fils de Sem, mais on sait très bien qu'avec les siècles qui passent, il y a largement des métissages qui s'opèrent, et même s'il y a d'un côté l'islam et de l'autre côté la religion juive, sur le plan ethnique, on ne peut pas garantir une pureté à 100%. – Alors je voudrais revenir moi, aux actions terroristes des groupes juifs contre les Britanniques après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un paradoxe tout de même, c'est-à-dire que ce foyer national juif est créé finalement grâce aux Britanniques. – Oui. – Britanniques qui s'interposent, mais tout de même donc, il y a une révolte de ces groupes juifs contre les Britanniques. Oui, quelle est la motivation, quel est le but ? Il y a eu un film qui a parfaitement illustré cette situation historique, c'est le film Exodus, mm-hmm. hein, l'histoire de ce fameux bateau chargé de plusieurs milliers de migrants à qui on interdit d'arriver à Haïfa et qui croupit à Chypre, etc. Bon, il y a un film qui a traité du sujet. Il y a un roman, etc. Bon, bref, tout le monde connaît plus ou moins cette histoire-là. Mais j'ai évoqué tout à l'heure l'Irgun et le groupe Stern. Ces gens-là ne sont pas restés inactifs et effectivement, ils ont combattu avec les Britanniques. Ils ont combattu avec les Britanniques. Une partie, une fraction, si vous voulez, des Juifs a combattu avec les Britanniques, mais une autre partie a combattu contre les Britanniques. À un point tel que même une infime minorité des extrémistes juifs avaient pris langue avec une infime minorité. On est vraiment à la marge quand même. À la marge, une infime minorité de nazis qui voulaient se débarrasser des juifs et qui étaient prêts à entretenir des relations vraiment inacceptables. Mais là, bon, on est vraiment à la marge et ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Mm-hmm. Quelques migrants ont bénéficié d'Allemagne de possibilités d'aller en Israël. Mm-hmm. Mais le gros des migrants, évidemment, ce sont les survivants de la Shoah et qui espéraient trouver évidemment un havre de paix et une patrie pour refaire leur vie. Et là, ces groupes extrémistes anti-britanniques, Stern, ce qu'ils veulent finalement, violent. Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est hâter la création. Hâter le départ des Anglais. Hâter le départ des Anglais, mais les Anglais finalement avaient promis. Ils avaient, oui, non, mais du bout des lèvres. Et alors, en 1946, par exemple, le groupe Stern va réaliser, entre guillemets, un exploit terroriste. Ils font sauter l'hôtel King David à Jérusalem, qui servait de quartier général à la police et à l'armée britannique. On extrait presque 100 victimes des ruines. Vous voyez, c'est dire la violence de ces actions. En septembre 47, par exemple, le quartier général de la police britannique à Haïfa, qui est le grand port du Nord, saute aussi. Donc, et à chaque fois, évidemment, vous connaissez le cycle, évidemment, action terroriste, représailles. Et donc, beaucoup d'Israélites ont été pendus par les Anglais. Et ce qui entraînait forcément des représailles de la part des organisations terroristes contre des soldats anglais. Cette affaire-là va quand même être portée à la tribune des Nations Unies et ça fermente. Et le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies va se prononcer sur le partage de la Palestine parce que on s'est rendu compte que là, c'était insoluble, qu'un État binational était impossible, qu'on ne pouvait pas faire cohabiter juifs et arabes. Et donc il fallait que chacun ait sa propre organisation, sa propre société. – Donc là on découpe. – On découpe la Palestine. – On découpe la Palestine en quatre parties.
deux parties attribuées à Israël, au futur État d'Israël, et deux parties qui seraient attribuées à l'hypothétique État palestinien. Et oui. Au cœur, il y a Jérusalem, cette ville trois fois sainte. Et elle serait, dans le plan onusien, édifiée en corpus separatum, c'est-à-dire une entité politique spéciale, extraite de la Palestine en quelque sorte, et qui serait gérée directement par l'ONU. Et alors, ce plan va être accepté par 33 pays qui se prononcent favorablement, 13 vont être contre et 10 vont courageusement se réfugier dans l'abstention. Donc il y a quand même une majorité qui se dégage. Alors à l'époque, il n'y avait pas 194 États, hein, bien entendu. – Mais la population sur place n'est pas consultée. – Alors la population sur place n'est pas consultée, mais quand elle apprend les résultats, évidemment, la population juive exulte, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le camp arabe. Bien. Et les pays arabes vont refuser cette solution. À mon avis, c'est une erreur monumentale, car à l'époque, la partie qui était attribuée à Israël ne faisait que 10 000 km² de superficie. Aujourd'hui, l'État d'Israël, stricto sensu, dans ses anciennes frontières, c'est le double. Donc c'est un mauvais choix, c'est un mauvais calcul, parce que l'État palestinien, s'il avait été accepté par les Arabes en 1947, il existerait. Donc, refus. Israël s'autoproclame indépendant le 14 mai 1948. Les Anglais plient bagage. Ils n'en peuvent plus. Alors, débrouillez-vous. On va s'arrêter là. Donc, proclamation de l'État d'Israël. Donc, les Anglais partent dans la foulée. Les Anglais partent dans la foulée. La foulée. Et pour les Palestiniens, va débuter ce qu'ils appellent la Nakba, qui veut dire la catastrophe. La catastrophe. Alors. Donc, cette Nakba, c'est déjà donc une fuite. Des populations. Donc je voudrais que vous nous expliquiez qui ou quoi a provoqué cette fuite. Est-ce qu'elle était rationnelle? Est-ce qu'on les a poussés dehors? Est-ce qu'ils ont vraiment été chassés? – Alors, il y a plusieurs causes. – Mais voilà, c'est jamais simple. – Alors, la cause principale, c'est la peur des Juifs. Parce que le. Mais qui est alimentée par qui? Alors, la peur des Juifs, attendez, elle a été alimentée par les puissances arabes. Le 10 avril 1947, il s'est passé un événement tragique. Il s'est passé un massacre à Deir Yassin, où des habitants civils, des civils arabes palestiniens, ont été tués par les militaires de la Haganah. La Haganah, c'est l'ancêtre de Tsahal, qui a été créé, donc ex nihilo, bien sûr, à partir de rien. Quand l'État d'Israël s'est proclamé indépendant, il fallait bien qu'il ait une police et une armée, et c'était la Haganah, qui était déjà d'ailleurs dans les starting blocks depuis longtemps. Et cette proclamation de l'indépendance d'Israël, sur le territoire que les Juifs contrôlaient, va provoquer, si vous voulez, le refus arabe et l'invasion de cette Palestine par les armées des pays voisins. – On va y revenir. Alors, et pour les Palestiniens, va débuter ce que l'on appelle la Nakba, qui veut dire la catastrophe. – Oui. – Donc ils partent, vous nous donnerez les chiffres, mais ils partent en masse. 500 000. 500 000 quittent à peu près. La Palestine. Alors, plusieurs questions. Donc, par qui ou par quoi est provoquée cette fuite et où vont-ils? Alors, effectivement, petit à petit, des villages arabes entiers s'enfuient. Ils s'enfuient pourquoi? Il y a la peur. Alors, dès la proclamation de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, c'est un signal. En plus, les voisins arabes. Pousse au crime, si je puis dire. Et il y a, à propos de crime, il y a le fameux massacre du 10 avril 1947 dans un village arabe, Deir Yassin, où la Haganah, donc la nouvelle armée juive, a exécuté une centaine de Palestiniens civils parce que ces unités seraient tombées dans une embuscade à propos d'un drapeau blanc qui aurait été hissé du côté arabe. Bon, enfin, c'est une affaire très confuse. En fait, c'est entre guillemets, bien entendu, toute comparaison n'est pas raison, c'est le radour sur glane des Palestiniens. Et évidemment, quand l'État d'Israël, presque un an plus tard, proclame son indépendance, évidemment, ça sonne, ça résonne. Cette peur du juif et peur d'être massacré. Et donc, il y en a qui s'enfuient avec armes et bagages en direction des frontières des pays arabes. Et puis, ces pays arabes poussent à la roue. Frères, fuyez! Nous allons rejeter les Juifs à la mer. Alors,
Il y en a qui se disent, mais oui, pourquoi pas. Et donc, et alors, il y a la peur, évidemment, physique. Mm-hmm. Et puis, il y a l'irrationnel, l'appel. Et tout ça, c'est en engrenage. Et tout sinon, ça, est-ce qu'il y a aussi, de la part des autorités juives, est-ce qu'on les chasse physiquement? Est-ce qu'il y a des villages qui sont évacués de force ou pas? Évidemment, de même que vous allez avoir des villages, des kibbutz juifs en Cisjordanie, c'est-à-dire la West Bank, la partie occidentale, de l'autre côté du Jourdain, parce que là aussi, il y avait des établissements juifs, qui théoriquement auraient dû faire partie de l'État juif. Bon, eh bien, là aussi, il va y avoir des villages juifs encerclés, et il y a des villages arabes qui sont conquis, à la baïonnette, par la Haganah. Donc il y a une conjonction, il y a la peur, il y a effectivement l'embryon d'armée juive qui pousse les populations dehors, et il y a aussi cet appel extérieur des pays arabes, de dire faites place nette, nos armées vont entrer, on va chasser les juifs, vous pourrez revenir. – Alors justement, on arrive à la première guerre contre la coalition arabe, qui est composée de qui ?– Alors, vous avez le gros morceau, c'est l'Égypte, bien entendu, l'armée égyptienne, d'ailleurs où un certain colonel Nasser va s'illustrer, mais il va être encerclé du côté de Gaza d'ailleurs par la nouvelle armée juive, et il y a la Syrie, très offensive, le Liban beaucoup plus modeste, et puis l'armée, surtout l'armée transjordanienne du roi Abdallah, qui, elle, était commandée, cette fameuse légion arabe était commandée par un officier britannique, Globe Pacha, et c'est elle qui va, si vous voulez, s'illustrer le plus brillamment contre l'armée juive, puisque, grosso modo, ce que les juifs appellent la Judée et la Samarie, ce qu'on appelle nous autres la Cisjordanie, cette grosse boursouflure, si vous voulez, qui est à l'est à l'ouest du Jourdain, va être conquise par l'armée arabe, et la moitié de Jérusalem-Est, va être occupée par cette armée transjordanienne, et les Juifs vont avoir beaucoup de mal d'ailleurs, vont soutenir un siège, ils vont sauver la partie occidentale de Jérusalem. Mmh. Alors tout ça va déboucher quand même sur le fait accompli. Le fait accompli, c'est que Israël a réussi à agrandir la portion qui lui était attribuée de 10 000 km² et double pratiquement sa surface, et débouche sur le golfe d'Aqaba, enfin le golfe d'Elat pour eux, Aqaba pour les Arabes, qui lui donne un accès à la mer Rouge. Et l'armistice qui va être signé à Rhodes en 1949 va figer les frontières sur les positions militaires, ce qui fait que les frontières sont totalement artificielles et ce ne sont que des lignes de séparation, des lignes de cessez-le-feu, et qui vont durer jusqu'en 1967. – Oui, alors, je voudrais revenir donc à cette victoire d'Israël qui étonne tout le monde. Oui. – Ce petit État, une armée embryonnaire, sous-armée par rapport aux armées arabes, bien pourquoi, entendu. – Pourquoi, finalement, est-ce que c'est un exploit, une forme d'exploit? Donc pourquoi cet exploit? Mais surtout, pourquoi les Arabes ont-ils perdu? Quelle était leur faiblesse, plus que les forces d'Israël ?– Alors, je vais vous dire d'abord la motivation. On le verra plus tard, le plus beau matériel militaire ne fait pas le bon soldat. Et là, on peut le dire, les Juifs avaient la gnaque. D'abord, c'était sauver ou périr. Se sauver ou périr, c'est la vie ou la mort. On ne pouvait pas reculer. Donc, ils se sont battus objectivement, admirablement. Ensuite, les pays arabes étaient idéologiquement divisés. Et puis, on peut le dire, à part l'armée de la Transjordanie, alors le Liban avait une armée insignifiante, la Syrie avait un matériel de bric et de broc. Il y a l'Égypte qui avait une armée à peu près sérieuse, équipée à la britannique, comme d'ailleurs l'armée de la Transjordanie. Mais l'armée égyptienne n'était pas de bon niveau, l'armée syrienne non plus. Encore une fois, seule la future Jordanie a sauvé l'honneur arabe. Et puis, redisons-le, la volonté de ces combattants juifs de se sacrifier, de ne pas abandonner un pouce de terre, etc. Parce qu'eux aussi sont armés de bric et de broc. Ils sont armés de bric et de broc. Ils vont faire leur marché dans les surplus de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont acheté des Messerschmitt 109, vous voyez, pour créer un embryon d'avion. Il l'achetait en Tchécoslovaquie, qui était un pays communiste. D'ailleurs, à l'époque, on verra l'inversion des alliances, à l'époque, les pays de l'Est, et
notamment la Russie soviétique, voyaient plutôt d'un bon œil ce pays qui avait un caractère socialiste assez, assez prononcé. Mmh. Et ils ont fait aussi, alors je le disais, ils ont acheté des appareils, des avions et des chars anglais et américains. Ils ont récupéré aussi du matériel laissé sur place par les Britanniques. C'était une armée effectivement de brick et de broc. Mmh. Mais ils ont, à telle preuve que… On était à un contre combien Ah mais alors là, ils se battaient à un contre cinq, un contre mmh. six. Et ils ont eu 6000 morts. Mmh. 6000 morts. Ce qui est énorme au prorata. 6000 morts pendant, en un an de guerre. Mmh. Et les pertes arabes, je ne les connais pas, et elles sont largement supérieures. À un tel point, si vous voulez, que c'était du bricolage, c'est qu'ils bombardaient les positions arabes en ouvrant les portières de Dakota et en lançant les bombes à la main. Donc là, 19 ans vont se passer jusqu'en 67, hein, la guerre. Il y a eu 56, canal 56, de Suez. Alors, très rapidement, expliquez-nous le canal de Suez. Écoutez, les franco-britanniques lancent une opération contre l'armée égyptienne, s'emparent du canal de Suez, et Israël profite de l'affaire pour conquérir le Sinaï. Mmh. Sinaï qu'il va restituer quelques mois plus tard aux Nations Unies, qui ne tiendront pas leur engagement, puisque Nasser va remilitariser le Sinaï. Donc je reviens en 67, là c'est la guerre des six jours. Donc on a à peu près la même coalition arabe contre Israël. Alors on a la même coalition, vous avez l'Égypte, la Jordanie et la Syrie qui lancent leurs forces armées, qui voudraient lancer leurs forces armées contre Israël. Mmh. Israël part du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et c'est Israël qui va attaquer le premier et qui dès le premier jour va détruire la totalité des aviations arabes par des raids audacieux. Raids audacieux fait grâce d'ailleurs à une aviation à l'époque entièrement française, si je puis dire, de fabrication, puisque la 4e République avait armé et surarmé l'État d'Israël avec des chars AMX, des bombardiers Vautour et des chasseurs Mister 4 et Ouragan. Mmh. Et puis la France gaulienne avait vendu à l'origine des Mirage 3. Embargo ensuite. Donc cette guerre des six jours, elle, c'est une nouvelle défaite arabe qui va se concrétiser par l'occupation de la Cisjordanie. Alors, non seulement la Cisjordanie, mais le plateau du Golan, qui est une position stratégique face à la Syrie, car quand la Galilée est une plaine, n'est-ce pas, et le mm-hmm. Golan est un plateau, c'est un balcon d'où partaient évidemment des tirs contre les kibboutz de la vallée. Et puis le Sinaï est à nouveau reconquis et c'est une défaite, si vous voulez, stupéfiante de l'armée égyptienne. Mmh. Là, Israël s'empare d'un matériel soviétique neuf, inutilisé, et donc il va y avoir des divisions, des brigades blindées israéliennes entières avec des chars T-54, T-55. Mmh. Bon, voilà. Donc là, c'est un marché à bon compte. Alors, nouvelle tentative des Arabes, cette fois-ci en 73, c'est la guerre du Kippour. Oui, alors au départ, là, c'est une grande surprise parce que les services de renseignement israéliens, comme le 7 octobre d'ailleurs, avaient subodoré une attaque, mais le pouvoir politique n'en avait pas tenu compte. Et là, l'Égypte réussit un fabuleux coup, réussit à faire franchir le canal de Suez par son armée et qui va pénétrer largement dans le Sinaï. Donc, dans un premier temps, les lignes de défense, la ligne Barlev, du nom du chef d'état-major, la ligne Barlev sur le canal de Suez, est enfoncé et là Israël se dépêche de mobiliser ses réservistes pour stopper l'invasion égyptienne. Côté plateau du Golan, des combats sont féroces, mais bon, en fin de compte, à l'issue de ces combats de chars, c'est Israël qui l'emporte. La Jordanie, cette fois-ci, est restée neutre. Donc, l'issue de la guerre du Kippour, là, Israël a eu chaud. Un livre s'intitulait d'ailleurs « La mort en face », mais c'est quand même l'État juif qui s'en sort vainqueur. Mmh. Mais pour les Arabes, notamment pour le président Sadat, l'honneur est sauf. L'armée égyptienne a franchi le canal, c'est un symbole. Elle a infligé des défaites sévères à l'aviation israélienne, qui a perdu énormément de fantômes qui ont été abattus par des missiles SAM. Et c'est la première fois que, disons, un pays arabe peut se regarder avec une certaine fierté en disant « on a quand même culbuté, dans un premier temps seulement, les Juifs ». Mais l'offensive, la contre-offensive de Sharon, si vous voulez, une offensive militaire fabuleuse qui a enveloppé complètement les armées égyptiennes et l'armée israélienne pouvait même continuer en direction du Caire. Mmh. Et c'est un cessez-le-feu qui a stoppé tout ça. Et après, on verra que le président Sadat, fort de cette auréole de chef glorieux, pourra aller faire la paix avec l'ennemi. Voilà.
Alors, on a fini avec les grandes guerres, et donc très rapidement, parce que je voudrais qu'on passe du côté palestinien, parler des organisations palestiniennes, donc vraiment très très rapidement, on assiste après la guerre du Kippour, donc il y a de nouveau des interventions au Liban, vous allez nous les donner très rapidement, et puis les intifadas, qui sont les guerres de pauvres. La guerre des pierres. La guerre des pierres, donc les intifadas, donc il y a première grande intifada, c'est 1987. – Oui, il y en aura d'autres. – Il y en aura d'autres. Qui sont en général très sévèrement réprimés et qui ne donnent rien. L'erreur monumentale de l'État d'Israël, c'est de confondre des frontières stratégiques avec des frontières politiques. Mmh. En faisant la paix avec Sadat, qui va le payer de sa vie d'ailleurs, Israël s'assurait une neutralité, si vous voulez, de cet énorme Sinaï. Mmh. L'armée égyptienne ne se réinstalle pas et Israël donc est tranquille de ce côté-là. En revanche, du côté de la Syrie, Israël n'abandonne pas le plateau du Golan et le conserve. On le comprend puisque ce sont des hauteurs. Et en Cisjordanie, son erreur, évidemment, c'est de faciliter, de favoriser la colonisation. Mmh. C'est-à-dire que là, on peut parler de spoliation de terres et l'embryon d'État palestinien à qui on a donné une possibilité lors des accords d'Oslo de 1993, qui ont été signés entre Rabin et Yasser Arafat. C'est quand même extraordinaire, cette poignée de main entre deux chefs de guerre. Et Rabin, là aussi, va le payer de sa vie. Sera assassiné par des extrémistes juifs, comme Sadat est assassiné par les frères musulmans. Eh bien, cette entente israélo-palestinienne, on espérait qu'elle allait déboucher sur la paix. Eh bien, hélas, que nenni, la droite israélienne, la droite revancharde, la droite religieuse va prendre le pouvoir et va favoriser la colonisation à outrance de cette Cisjordanie et qui va devenir une peau de chagrin. L'autorité palestinienne n'a plus d'autorité. Le monsieur Mahmoud Abbas, qui est l'actuel président de cette autorité palestinienne et qui est à Ramallah, il est à Ramallah, il a autant de pouvoir que le maréchal Pétain à Vichy entre 42 et 44. Et en plus, cette Cisjordanie que les Juifs appellent Samarie-Judée, que nous pouvons appeler West Bank, est lacérée par des routes, des checkpoints, etc. Donc il y a une mutilation de cet embryon, de cette possibilité d'État palestinien. Quant à Gaza, alors là, n'en parlons plus. Bon, Gaza avait été colonisé aussi. En 2006, Israël avait évacué Gaza et avait même évacué de force les implantations juives qui étaient là. Hein. La police et l'armée israélienne étaient venues pour démanteler ces colonies. Il se fait que le Hamas, qui est un mouvement… – On va y revenir. Justement, vous voudriez nous parler des mouvements palestiniens. Vous avez cité Yasser Arafat tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a eu quand même un glissement du politique vers le religieux. Avec l'OLP qui était… – L'OLP avait un caractère laïque. – Avait un caractère laïque, soutenu par le Bloc de l'Est, principalement. Et maintenant, le premier opposant est devenu ce Hamas religieux. Donc, comment s'est effectué le glissement? On dit qu'Israël aurait favorisé d'ailleurs le Hamas contre l'OLP. – D'abord, il nous reste 5 minutes, Jean-Claude. Oui, bon, alors écoutez… Les promesses des accords d'Oslo n'ont abouti à rien. Donc les Palestiniens ont perdu confiance. Enfin, je parle du noyau politique. Hein. Oui, bien sûr. Le noyau politique ont perdu confiance dans la parole d'Israël. Et le fait que les forces, j'allais dire, extrémistes juives aient pris le pouvoir, évidemment, a gâché tout espoir de paix raisonnable et raisonnée. Et ces colonies qui sont là, c'est la peste, si vous me passez l'expression. Alors, devant un certain désespoir, devant la désespérance, devant le fait que cet État palestinien n'allait pas pouvoir prendre naissance, il y a eu une radicalisation. Bon, d'abord, il y a eu des mouvements terroristes arabes. Le FPLP, hein, le Front de Libération de la Palestine. Mais qui toujours était laïque. Oui, tout à fait. Il y avait ce fameux. Les communistes, des marxistes palestiniens. Bon, alors, ils ont fait des attentats, bien entendu. Ils détournaient les avions, etc. On faisait tout ça. Bon, il y a eu le fameux raid dans Tébé pour libérer les passagers d'un Airbus, etc. Bon, tout ça, c'est su. Mais on arrive donc à
Cette évacuation de la bande de Gaza, cette prise de pouvoir du Hamas, le Hamas écrase le Fatah qui était l'élément principal de l'OLP de Yasser Arafat, le Hamas est un mouvement nationaliste religieux. Mmh. Il s'empare d'une façon totalitaire de la bande de Gaza et de ses 2 millions d'habitants. Et en Cisjordanie, il y a effectivement une radicalisation. Et il n'y a plus d'élections. Il n'y a plus d'élections. Parce que s'il y avait des élections, ce n'est pas le Fatah qui l'emporterait, mais c'est le Hamas qui l'emporterait. Donc, on en est là. Et puis, on a, alors là, évidemment, cette radicalisation des deux parties. Et vous avez évoqué, effectivement, l'hypothèse que le gouvernement de M. Netanyahou aurait favorisé indirectement le Hamas. Mais bien sûr, pourquoi? Parce qu'il voulait décrédibiliser l'OLP, décrédibiliser l'autorité palestinienne, faire en sorte qu'il n'y ait aucune possibilité de créer un État palestinien, parce que les juifs extrémistes veulent un État d'Israël allant de la mer au Jourdain. Mmh. Or, si un État juif va de la mer au Jourdain, il n'y a aucune possibilité d'érection d'un État arabe de Palestine. Voilà, voilà, si vous voulez, le tableau, et c'est pas brillant, parce qu'il y a une radicalisation de part et d'autre, et on ne voit pas comment ça va déboucher, non, surtout après le drame du 7 octobre. Mais non, alors, effectivement, il ne s'agit pas ici de... On va rester dans le domaine historique, mais en revanche, on connaît les forces d'Israël, mais quelles sont les faiblesses d'Israël, le petit pays entouré, entouré d'ennemis? Bah écoutez, y aura, pour l'instant, il y aura un jour une lassitude, parce qu'on ne peut pas faire de génération en génération. Ce pays est en guerre constamment. Ce pays perd des fils, des pères, des gendres, des cousins, des neveux, des oncles, sans arrêt. C'est pas possible. Chaque génération a ses victimes, nombreuses, parce que, par exemple, les opérations militaires qui ont lieu en ce moment, c'est pas gratuit. Bon, les pertes ont été très élevées pendant la guerre du Kippour, pendant la guerre des six jours aussi. Mmh. Depuis que le bombardement et le contrôle de Gaza, c'est pareil. On additionne les morts. Mmh. Donc, on ne pourra, Israël ne pourra pas continuer, si vous voulez, à faire sans cesse la guerre. Il y aura un moment donné... – Il y a un problème démographique qui se pose. – Il y a un problème démographique qui se pose aussi. Si on faisait le grand Israël dont rêvent les extrémistes religieux, aujourd'hui, c'est 50% de population arabe et 50% de population juive. Avec le différentiel qu'il y a entre les populations arabes et les la démographie, si vous voulez, la démographie, c'est une réalité. Mmh. Elle est valable pour la France, elle est valable pour tous les pays, et en Israël autant qu'ailleurs. Et donc, à terme, les Arabes seraient plus, au sein de ce grand Israël, les Arabes seraient plus nombreux que les Juifs. Comment voulez-vous qu'on puisse assurer la judaïté d'un État, puisqu'ils se réclament de ça, dans un pays où cette communauté juive serait minoritaire par rapport à la population arabe? Ça ne tiendrait pas. D'autre part, si vous voulez, Israël a beau avoir l'arme nucléaire, qui lui garantit effectivement que son État reste intact, que ses frontières ne soient pas violées, mais jamais il ne pourra mettre un gendarme derrière chaque arabe de Palestine. Mmh. On vient de le voir tout récemment avec de nouveaux attentats à l'intérieur même d'Israël, alors qu'il est protégé, soi-disant, par un mur. Mmh. Donc, il n'y a pas de solution, si vous voulez, il n'y a aucune solution en dehors d'un deal, d'un compromis territorial. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Claude Rugnat, on a essayé de nous expliquer. C'est pas simple. C'est pas simple, non. Je renvoie donc à votre livre paru chez Du Alpha, Israël, Palestine, la mort aux trousses, avec une préface d'Olivier Pichon. Oui. Merci, merci beaucoup, c'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et sa petite histoire, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Les deux croisades entreprises par Saint-Louis ont été un échec cuisant. Mais sans ça, Saint-Louis ne serait pas Saint-Louis. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, de ces deux croisades. Saint-Louis fut le dernier souverain capétien à véritablement se mobiliser avec sincérité pour la délivrance du tombeau du Christ. Pourquoi Saint-Louis s'est-il croisé à deux reprises? Tout d'abord pour délivrer la Terre Sainte, évidemment, mais surtout
pour sauver, pour s'assurer son salut et pour ranimer un certain idéal, l'idéal du roi chrétien qui n'hésite pas à donner de sa vie pour une démarche quasiment mystique. Comme le dit Jacques Le Goff, la croisade a été l'une des grandes pensées, sinon la grande pensée, du règne de Saint-Louis, qui était animé, comme je l'ai dit, d'une démarche mystique. Il voulait mettre ses pas dans ceux du Christ, gagner son salut, et ce n'était pas le cas de ses prédécesseurs, que ce soit Louis VII ou encore Philippe Auguste. La septième croisade, qui est la première croisade de Saint-Louis, va se mener sur le modèle de la cinquième. On va envisager de débarquer en Égypte, puisque le Nil, le delta du Nil, était considéré comme la clé qui ouvrait la porte vers la Terre Sainte. Quoi qu'il en soit, l'idée de réaliser cette croisade trouve son origine dans une maladie. La maladie du roi, Saint-Louis est tombé très malade, il s'est ensuite remis, et il en est sorti transformé, et il n'avait plus qu'une idée en tête, c'est de partir pour reconquérir la Terre Sainte. Aussi, il y avait des conditions qui étaient favorables, c'est-à-dire que Saint-Louis avait mis fin à la coalition des barons orchestrée par le roi d'Angleterre Henri III, et la France, le royaume de France, avait retrouvé une paix intérieure qui permettait justement cette expédition. Plusieurs raisons liées directement à la situation en Terre Sainte le poussent à agir et à agir vite. Les mercenaires du sultan reprennent Jérusalem et il y a aussi la menace mongole. La croisade commence donc le 12 juin 1248. Saint-Louis se rend à Saint-Denis, il prend l'oriflamme, le bâton, l'écharpe et il confie la régence du royaume à sa mère, Blanche de Castille. Comme le prescrit l'Église, il va abandonner le faste vestimentaire qui est dû à son rang et il va arborer un costume très simple, d'ailleurs ça va le marquer à vie, puisqu'à son retour, il ne recouvrera plus jamais ses habitudes vestimentaires antérieures. En somme, la croisade, c'est l'anti-bling-bling par excellence, et c'est ce qui aurait dû inspirer Sarkozy. Sarkozy, il a dit qu'avant son élection, il voulait se retirer dans un monastère quand il a été élu président de la République. À la place de ça, il a été au Phuket. Eh bien, on a eu une présidence bling-bling. Ah non, non, je m'égare absolument pas, ces deux événements sont totalement liés. Enfin bref, pour revenir à Saint-Louis, il s'embarque à Aigues-Mortes le 25 août 1248 avec une armée de 25 000 hommes, dont 2500 chevaliers, ce qui est pour l'époque une force considérable. La flotte fait une escale à Chypre, une longue escale, parce qu'il faut attendre que les conditions météorologiques soient meilleures, et les troupes croisées débarquent enfin à Damiette en juin 1249. Le 6 juin, Damiette tombe, les troupes se dirigent ensuite en novembre vers le Caire, mais en décembre, ils se retrouvent devant la ville de Mansoura, où ils livrent un combat féroce contre les musulmans. Le 8 février 1250, le frère du roi, Robert d'Artois, est tué, et la campagne tourne au désastre, puisque les musulmans sont supérieurs militairement, notamment grâce à l'utilisation des feux grégeois. Je vous invite à vous renseigner sur les feux grégeois si vous ne savez pas ce que c'est. En tout cas, c'est redoutablement efficace. Pour ne rien arranger, c'est vraiment un désastre total, une épidémie s'abat sur l'armée, le roi est lui-même malade, et il ordonne donc la retraite. Même la retraite ne va pas se passer comme prévu, et le 6 avril 1250, il est encerclé et perd la bataille de Fariscourt, où il est fait prisonnier. Et il y a une anecdote à ce sujet qui a été rapportée par les chroniqueurs, c'est-à-dire que, ensuite, après la libération, les personnes qui ont libéré le roi se sont vantées d'avoir grugé les musulmans de 20 000 livres, justement. Et Saint-Louis est alors entré, nous disent les chroniqueurs, hein, dans une colère sainte, si on peut dire, puisque, même si c'était des mécréants, il voulait qu'on leur donne ce qui leur était dû, en l'occurrence la rançon, dans leur intégralité. Et ce fait, cette anecdote, sera repris dans son procès en canonisation et sera désigné comme une manifestation irréfutable de sa sainteté. Saint-Louis ne rentre pas tout de suite en France, il va tout d'abord se diriger vers Jérusalem où il va rester 4 ans. Son but à la base est d'attendre que les 12 000 croisés qui sont toujours retenus soient libérés. C'est chose faite en 1252, mais Saint-Louis ne va pas en rester là, il va en profiter pour apaiser les discordes qui ont lieu dans le camp chrétien, il va faire fortifier et en tout cas augmenter le dispositif défensif des chrétiens en faisant fortifier les villes du littoral comme Acre et Jaffa, et il va aussi tenter de convertir les Mongols parce que les Mongols, il veut les convertir sincèrement, mais ils peuvent également lui être utiles pour créer une alliance de revers et prendre les musulmans et le sultan de dos.
Malheureusement, sa tentative va échouer. Il va également en profiter pour visiter certains lieux en Palestine de la vie du Christ. Il va même obtenir un sauf-conduit de la part du sultan pour se rendre à Jérusalem. Et même si ça lui tenait très à cœur, vous en doutez bien, il ne va pas le faire. Pourquoi ? Pour ne pas créer un précédent et montrer aux chrétiens d'Europe, du monde entier, qu'il n'est pas nécessaire de reconquérir la Terre Sainte pour pouvoir faire le pèlerinage. Son retour en France va être précipité par un événement dramatique, c'est la mort de sa mère, Blanche de Castille. Il va en être informé au printemps 1253, alors que Blanche de Castille est déjà décédée depuis novembre de l'année précédente. À l'époque, c'était pas les smartphones et les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Comme c'était l'hiver, eh bien, les communications maritimes étaient tout simplement coupées entre l'Europe et l'Orient et la Terre Sainte, et donc c'est pour ça qu'il ne l'a appris qu'au printemps. Il va donc décider de rentrer. C'est la fin de la 7e croisade, première croisade de Saint-Louis, qui aura été un échec, certes, elle a été un échec, mais elle a permis déjà de renforcer le camp, la défense des territoires chrétiens en Terre Sainte, de faire fortifier des villes, et aussi, elle a renforcé le roi, il a mûri, il a changé, il est bien décidé à réformer son royaume, il est inspiré, et il ne va pas tarder à repartir. Quand je dis il ne va pas tarder à repartir, il aura quand même fallu attendre plus de 10 ans, mais en tout cas c'est une idée qui est restée persistante dans son esprit. Et à l'âge de 53 ans, en 1267, il va se sentir vieillir et il va vouloir retenter l'aventure entre guillemets. Encore une fois, il y a un contexte qui s'accompagne à tout ça. Les musulmans se montrent de plus en plus agressifs puisqu'ils craignent que les Francs s'allient avec les Mongols. Les musulmans se sont emparés d'Antioche, de Césarée, mais aussi de Jaffa. Il y a donc urgence, Saint-Louis va donc agir, je vous l'ai dit, pour libérer la Terre Sainte, mais aussi, comme la première fois, pour son propre salut, pour s'attirer, comme il se sent vieillir, pour s'attirer les faveurs de Dieu. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le premier objectif de cette nouvelle croisade, la huitième, c'est de s'emparer de Tunis, de commencer par Tunis. Pourquoi Tunis ? Eh bien, il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'il va pouvoir s'appuyer sur le royaume de Sicile, qui n'est pas loin, en tant que base arrière. La deuxième hypothèse, c'est qu'à l'époque, il y avait une certaine méconnaissance de la géographie, et donc on pensait que la Tunisie n'était pas si éloignée de la Terre Sainte et qu'on pourrait s'en servir également comme base arrière. Il y a aussi un autre objectif pour Saint-Louis, c'est de convertir le sultan de Tunis, qui sera, pense-t-il, plus facile à convertir que les sultans ou les émirs d'Orient. A noter que contrairement à la première fois, cette croisade est loin de susciter l'enthousiasme, il y a plein de barons qui refusent de partir en croisade. Saint-Louis va donc s'assurer de léguer son royaume, enfin en tout cas d'assurer une régence qui va s'inscrire dans la continuité, il assure ses arrières, mais il décide tout de même, malgré les réticences, de partir. Au début de l'année 1270, il rédige son testament et ensuite il reproduit le même parcours, il va à Saint-Denis, ensuite il s'embarque en juillet 1270 à Aigues-Mortes, direction la Tunisie. Il débarque près de Tunis après une escale en Sardaigne le 17 juillet 1270. Encore une fois, c'est un désastre. Premièrement, il ne parvient pas à convertir le sultan, ça s'avère impossible. Et deuxièmement, une épidémie touche à nouveau son armée, une épidémie de typhus, de choléra ou de dysenterie. Le 3 août, son fils Jean Tristan décède et le 25 août, c'est Saint-Louis qui expire à son tour. La mort du roi signifie tout simplement la fin de la croisade et ainsi l'armée quitte Tunis en novembre 1270. La dépouille du roi est emportée sur le chemin du retour, elle arrive à Paris le 21 mai 1271 et elle est inhumée à Saint-Denis le lendemain. Incontestablement, eh bien, ces deux croisades sont un échec, la première comme la deuxième, et elles auront laissé un goût amer. Malgré tout, sans cela, eh bien, Saint-Louis n'aurait pas été Saint-Louis, et si on regarde ça d'un autre œil, ça lui aura permis, comme il le voulait, de suivre les pas du Christ, de mourir dans les pas du Christ, revêtu de la croix, loin des siens et dans le dénuement le plus total. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, tous les mardis sur TV Liberté et tous les vendredis en audio sur Radio Liberté. À bientôt.